Et ben salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous montrer un spot de Rosée des Prés exceptionnel. Il est vraiment énorme, vous allez voir, je n'ai jamais vu ça, il y a des taches partout. J'ai pu remplir mon panier en même pas une heure, donc on voit tout ça après le générique. Regardez ici, il y en a vraiment des beaux, tout frais. Ici, personne n'est passé. Un peu plus loin, il y a quelqu'un qui est passé, qui s'est fait plaisir. Mais ici, il n'y a personne. En plus, j'ai failli les louper, ceux-là. Regardez-moi ça, tout frais. Des petits bouchons. Comme les champignons de Paris. Celui-là, il est peut-être limite. Allez, s'il n'est pas véreux, on va le prendre, mais il a l'air d'être véreux. Et le dernier là, bah, il est trop vieux. Je vais voir s'il n'y en a pas d'autres. Non, c'est juste une petite tache comme ça. Mais un peu plus haut, là-bas, j'ai une autre tache. Donc ça s'est sûrement propagé avec le temps. Et voilà, on a juste un petit panier avec quelques marasmes des oréades. Avec un pied qui résiste à la torsion, regardez ça, il casse pas. Allez, on va mettre tout ça dans le panier. Pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à le faire, sans oublier le pouce bleu. Merci à tous. Ici, au pied d'un pin, on a un sparadis crépus, mais il est vraiment très très jeune. On va le laisser grandir. Ici, sur une souche, certainement une souche de pin, on en a un beau, on va le prélever. Et un encore assez jeune, on va le laisser pousser. Encore un sparadis, sparadis crépus, du latin sparadis crispa. Celui-là il a l'air jeune mais déjà un peu avancé, on va quand même le prendre. Allez, c'est parti. Là, on a un très jeune sparadis déjà presque mangé. Ici, on en a un autre bien plus petit, mais déjà mature. Donc, on va le prendre. Celui-là, sur une souche de pin. Il y en a quelques-uns ici. Allez, on va le prendre. Regardez, c'est... Eh ben, pas un cep. Au début, j'ai cru un cep de loin. Mais malheureusement, c'est un bolet rude. Regardez, on voit bien le pied. Typique à la famille Delessinium, avec tout plein de petits points noirs. Bon, ma foi. Premier champignon à chapeau, enfin, quelques rosés, mais de la forêt, on va dire. Donc au final, on a changé de programme, on est parti dans les champs, et je suis vraiment tombée sur le spot incroyable. Le champ en est rempli. Regardez ça. Ici, on a des tout petits, des primeurs, des tout nouveaux. Qui viennent de sortir de terre. Puis là, regardez, là, il y en a des anciens, mais j'ai déjà récolté ici. Voilà. Regardez ça. En plus, ils sont encore bien rosés. Parfait, comme il le faut. Il y en a plein partout. Regardez, des beaux comme ça. Qui viennent de s'ouvrir. Regardez ça. Incroyable. Il y en a comme ça, mais partout. Hein. Le champ est rempli. Là. Il y en a encore là-bas. J'en ai déjà cueilli tout ça. Enfin, là, je sais pas si je suis déjà passée. Non, parce qu'il y en a encore un beau. Peut-être celui-là, les autres, ils sont foutus. Déjà trop vieux. Regardez ça. Il est énorme, mais pourtant, il est encore bien rosé. Le panier, il se remplit vite. Hein. On sait qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Par là-bas, j'ai pas encore été voir. Mais un petit peu plus loin, là-bas, dans le champ. Il y en a encore plein partout. Je vais vous reprendre. Et ben, regardez ça. Il y a plein de rosées des prés. Des agarics champêtres.
On va revenir ici dans un ou deux jours et ça va être la folie. Regardez ça. Vraiment un petit peu partout. Encore là. Là. Ils viennent vraiment de sortir il n'y a pas longtemps. Donc ça va être super. On va pouvoir faire plein de cueillettes. Ah bon, c'est super. Regardez. Il y en a des beaux ici. Ils sont magnifiques. Et là, il y en avait un petit aussi. C'est petit à petit, mais regardez le panier. Ça se remplit. Hein. Il y en a un là. Ici. Là, il y en a trois petits. Allez, ça sort de terre. C'est magnifique. Celui-là, il est déjà vieux. Là aussi. Celui-là, il est peut-être limite. Ça va, il est encore rose. On va le prendre. Il y en a encore là. Il y en a vraiment partout ici. Là. Ici, là, il y en a tous des petits. On va tous pouvoir les prendre, ceux-là. Petits, ça va, ils sont vraiment de la bonne taille. Comme ceux qu'on achète dans le magasin. Bien meilleur, bien sûr. Je pourrais filmer pendant des heures, tellement il y en a. Et toujours de la bonne qualité. Hein. Vraiment magnifique. Regardez ça. Celui-là, il va être bon aussi. Voilà. Celui-là, déjà trop vieux. Et celui-là aussi. Il y en a encore là. Là-bas. Ah, là. Il est écrasé, un tout petit, des vieux et de jeunes. Encore quelques jeunes, là, vraiment tout frais ceux-là. Ils doivent pas dater d'il y a longtemps. Il y en a un là, trop vieux, déjà noir. Voilà là-bas. T'es trop vieux, j'en avais vu là-bas des plus frais. Il pleut un petit peu, ça va. Ah ouais, voilà, ça c'est des beaux. Regardez, magnifique. Il y en a encore là. Ceux-là ils sont gros, ils ont l'air encore bien blancs. Et oui, ils sont encore bien roses. Super. Ah là-bas, ceux-là ils sont magnifiques. Regardez ça. Corps limite fermé. Tout rose. Rose vraiment très clair. Ils sont tout beaux. Là. Là, il y en a un retourné peut-être par une vache. Là. Bon, je vais m'arrêter de filmer parce que ça ne va jamais finir. Il y en a là encore deux petits. Il y en a encore là-bas. Là. Vraiment toujours des très frais. Là. Et je pourrais encore en montrer non-stop, tellement il y en a. Bon allez, je vais retourner là-bas, il y a mon panier. Allez, je vous coupe et je vais cueillir tout ça. Regardez ça, j'ai trouvé vraiment le plus beau du champ. Il est énorme et encore très rose. Pas abîmé, tout propre. Et le panier, il se remplit, hein. Regardez ça. Regardez ça, le panier se remplit vraiment. Il est énorme. Et ça continue. Toujours avec des petits magnifiques. Il y en a encore. Là, regardez ça. Toujours d'une qualité super. Et regardez ça. Vous êtes prêts? Waouh! Il est magnifique celui-là. Regardez par rapport à maman. Il est quand même énorme. Je vais mettre le couteau à côté. Regardez par rapport au couteau. Quand même une petite différence. Regardez si on le met dans le panier. Eh ben, il explose tous les autres. Il est énorme. Bon allez, on va le nettoyer, tout ça. Il y en a encore un paquet. Encore là. Il y en a encore là, là. Bon allez, je vais continuer. Ici, deux ronds.
tout beau. Regardez ça. Enfin, ah, voilà. Il est magnifique. Voilà. Je vais aller voir la tâche. Qui est là? Est-ce qu'on va la voir? Là, elle commence à apparaître. Eh oui, regardez ça. Là. Et ici, ils sont vraiment énormes, je trouve. Énormes, mais encore fermés. Regardez ça. Encore une fois, magnifique. Il y en a d'autres encore bien fermés, là. Ah, il doit sûrement encore y en avoir partout. Je vais vous montrer une autre tâche là-bas. Ça ne s'arrête jamais. Là, je l'ai trouvé. Ici. Là. Ceux-là sont un petit peu plus petits quand même. Ici. Un peu plus loin. Là. Bon, allez, je vais retourner au panier. Il est juste là. Et je vais cueillir tout ça. Je n'ai fait qu'à peine la moitié du champ. Et regardez tout ce que j'ai. Tout ce qu'il y a là, c'est non véreux. Donc vraiment, c'est magnifique. On a pris les plus roses possibles. Les bruns, les plus âgés, on les laisse allécher. Et même celui-là, il est déjà même trop brun. Allez, hop. Voilà, on a vraiment pris que les meilleurs. Regardez ici, on est sur un vieux rond de sorcière. Ils sont tous pourris. Sauf un, j'avais vu. Un jeune petit là. Peut-être celui-là. Non, il est déjà un peu trop vieux. Sinon, ils sont tous très âgés. Regardez ça. Vraiment tous des vieux. Ça forme tout un cercle. Un rond de sorcière. Regardez-moi la taille de celui-là. Je vais comparer avec ma main. Ah ben on la voit même plus. Il est vraiment énorme. Donc voilà, un vieux rond de sorcière. Sinon, panier se remplit. Hein. Ici on est sur un arc de sorcière, entre guillemets. Regardez ça. Et ils sont encore frais ceux-là. Ils sont magnifiques. Ouais, et regardez par rapport à ma main. Ça, ça fait plaisir. Regardez. Ceux-là, un peu plus âgés. Là, il y en a tous des nouveaux. Des tout frais. Regardez ça. C'est tout frais, ça. Mais oui. On va pouvoir se régaler. Là, ils sont déjà un peu plus âgés. Peut-être celui-là est limite. Ouais, on va le laisser. On va préférer prendre les plus frais. Comme ça. Regardez. Incroyable. Allez, je vais prendre une petite photo. Regardez ce que ça donne. Et regardez ça, c'est magnifique. Encore de bons ronds de sorcière. Toujours bien roses. Alors qu'ils sont énormes. Et ça, c'est super. Wow, regardez ça. Par rapport à ma main, il est énorme.